Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psytrag et aujourd'hui les amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo et sur un nouveau jeu qui s'appelle Heroes Strike. Et oui les amis, aujourd'hui je vais vous faire découvrir un nouveau jeu que j'ai découvert très c'est-à-dire il y a une heure, hein, avant que je tente cette vidéo, ce nouveau jeu PVP 3v3 sur une arène. Voilà, sur ce, la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu, hein. Bon, plus sérieusement c'est un jeu PVP en 3v3 en arène. Et il faut avoir un maximum d'étoiles, donc faire un maximum de kills et ne pas mourir. Voilà, c'est simple, clair et précis. Je vais directement vous présenter le jeu, ok? Donc là, vous êtes sur l'interface d'accueil. Donc là, en haut, il y a le profil. En haut à droite, il y a les gemmes, les pièces, les tickets. Ici, il y a les différents héros. Donc voilà, il y a différents héros que je vous présenterai par la suite. Il y en a, il m'a l'air clairement stylé, tu vois. Clairement stylé, hein. Donc voilà, il y en a quand même pas mal. Moi avant que je tourne la vidéo, j'ai débloqué du coup ces trois personnages. Donc c'est à dire Raiden, Vinca, Destroy. Et j'ai également débloqué des compos. C'est à dire que par exemple là il y a salve de balles, charge d'aimant, rayon mortel, bombe à retardement, grappe de balles, bouclier, super roquette, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est à dire que sur vos héros en game, vous pouvez rajouter deux compos, voire peut-être plus, mais moi pour l'instant je peux en rajouter que deux. Le shop, les lamas, plagier 100% Fortnite, défi tireur d'élite, offre spéciale, bon c'est le shop classique, des personnages, des compos, et tu peux avoir gratuitement deux choses. Donc là tu peux avoir un gemme gratuit et une boîte mystère gratuite. Après bien sûr, pareil, l'offre, les offres classiques avec les coffres classiques, les gemmes, les pièces et les tickets, je sais pas ce que c'est, les clés de combat boost non plus, les points de saison boost non plus, XP de combat boost non plus. De nom ça m'a l'air d'être simple, mais comment ça s'applique je ne le sais pas. Et dernier onglet, je me suis pas spoilé par contre, j'ai juste regardé ça, j'ai vu Heroes Strike eSport. Donc c'est à dire que le jeu il est tout neuf, ils imposent déjà du eSport. Pourquoi pas, hein? Très clairement pourquoi pas. Non, plus sérieusement ils ont dit toutes les règles. C'est à dire que tu auras ta disponibilité de tous les héros, toutes les compos. Il y aura forcément des prix pour les meilleurs, mais tout le monde sera récompensé. Et comment ça se passe? Alors, tu peux choisir deux modes, soit un mode où tu fais 30 games, soit un mode où tu fais 60 games. Si tu prends le mode 30 games, le total de tes points gagnés sur ces 30 games sera multiplié par 2 pour t'affilier à ceux qui auraient fait 60 games. Et si tu fais 60 games, c'est le cumul de tes 60 games, tout simplement. Et à la fin de l'événement, les récompenses que tu mérites par rapport à ton nombre de points. Voilà. Donc c'est simple, ça commence demain pour moi. Mais pour vous, ça commence aujourd'hui les potes. La vidéo sort, il y a le sport aujourd'hui qui commence. Donc télécharge le jeu et va geeker. Let's go. Après, défi tireur d'élite. J'ai l'impression qu'il y a différents défis. Bon, ça c'est compo 1, compo 2. Je sais pas ce que c'est, on va découvrir ça ensemble. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être après-demain, peut-être aujourd'hui. Je ne sais pas, on va découvrir au fur et à mesure. Moi j'ai déjà fait un tour global du jeu sans trop me spoiler. J'ai juste fait quelques games pour pouvoir débloquer des personnages, quelques boîtes pour vous faire un petit pack opening dans cette vidéo. Et voilà. Donc là, on retourne directement sur le menu classique. On va aller tout de suite se prendre saison 3 tiers. C'est le pass de combat. Donc il y a bien un pass de combat. Dans la gratuité du coup, 100 pièces. Let's go. Boost clé de combat. Ok, bon ça je sais pas ce que c'est. Après, carte commune. Ah c'est encore bloqué. Ok, bon je vais attendre. Et puis là, il y a un coffre d'arène 2. Et dans le pass de combat, vous avez des skins. Mais non, il y a des skins carrément. Trop stylé. Ah j'ai même pas capté. J'avais même pas capté. Ok, bon bah il y a un pass de combat les potes. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre à vous présenter? À droite, le classement classique mondial. Par trophée, par victoire, par compo, par héros, par apparence, par guild et par gemme. Ça fait beaucoup de classements, hein, je vous le confirme. Ça fait énormément de classements. Et il y a les mêmes pour pays. Donc c'est-à-dire la France, il y a les mêmes classements. Moi je sais pas combien de thèmes je peux me classer. Je suis combien en France? Je suis 900e français. Après bon, il y a le courrier classique pour toutes les annonces de mise à jour. Et là, c'est très important, l'onglet communauté, c'est-à-dire amis, guild, quête de guild et boutique. Bon, la boutique, je vous la présente pas, c'est classique. Amis, très important, si vous voulez avoir des récompenses, tout simplement, vous ajoutez des amis et invitez des amis. Et si les amis vous invitent, vous... Oh, attends, j'avais même pas remarqué, mais en fait, ça, c'est un skin. Ah, mais trop stylé. En vache. Ok, bon, je peux gagner un skin à partir d'un ami, bout de 5 amis, 3000, 10 amis, 100, 20, tu gagnes un personnage ou un skin. Pour moi, c'est un skin, mais du coup, tu vas débloquer le personnage en même temps. Et puis, à 30... 5 cartes, tu
vois, comme quoi c'est plutôt cool. Donc les potes, le lien, je vais le copier et je le mettrai dans ma description. Et n'hésitez pas à m'ajouter, ça me ferait extrêmement plaisir de vous avoir dans mes potes. Hein. Pour le coup, là, franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. Ok, donc on va pas perdre de temps. Les héros, bah, je vais vous les découvrir, vous faire découvrir peut-être dans cette vidéo, peut-être pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on va laisser un petit unboxing. Let's go. Ok. Carte commune. Ok, grappe de balle et rayon mortel. Ok, on va faire le petit screen, on sait jamais. Let's go. On va laisser l'augmenter. Comment on fait pour augmenter? C'est bon, là je peux améliorer. Ah mais regardez, c'est ça. Ah, oh, trop skillé. Et bientôt il y aura un troisième skin. Donc ça c'est un skin. Ok. Parfait, allez hop. On va l'augmenter deux fois. On perd pas le temps. Et lui par exemple, est-ce qu'il a un skin? Ah bah il a la fameuse vache, ok. Et lui, est-ce qu'il a un skin? Non, pour l'instant il a pas de skin encore. Ok, donc je vais faire un petit court récap. Lui c'est un tireur, lui c'est un corps à corps et lui c'est un lanceur. Voilà, donc nous on va partir forcément avec le niveau 3 avec Raiden. Donc quand c'est comme ça, tu vas dans combat, tu fais combattre, tu choisis ton personnage, tu choisis la compo que tu veux. Donc c'est à dire que moi je vais prendre Super Rocket. Et je vais prendre celui-ci. Voilà, si vous voulez jouer avec des potes, soit vous les ajoutez classiquement, c'est-à-dire bah, là avec un petit plus si vous avez des amis. Et sinon, en fait, partagez le salon. Pays. Comment ça, pays? Salon partagé par succès. Ok, non, je pars en game, hein. J'ai partagé mon salon à des Français du coup. Donc voilà. Donc les potes, si vous voulez jouer avec moi, il y aura soit le clan, soit simplement m'avoir un ami. Donc le lien est dans la description. Allez. Donc là, l'arène, le vaisseau nous dépose. On a 4 secondes pour partir. C'est parti, let's go. Et alors, au milieu, il y a des étoiles qui spawnent. Donc ces étoiles-là, faut les ramasser. Et également faire des kills. Et les kills fait tomber des étoiles des ennemis adverses. Et après ça fait un cumul. Et le cumul fait que l'équipe qui a le plus d'étoiles remportera la game. Et ça c'est bien parce qu'en gros c'est pas l'équipe qui domine depuis le début qui les remporte, hein. Je vous le garantis. C'est déjà arrivé qu'il y a déjà eu des changements de situation au dernier moment. Ok, let's go. Je vais aller ramasser l'étoile. Parfait. Alors au milieu il y aura des étoiles qui ont dû spawner. Parfait. Oh, il est trop cheat lui. Regardez. Hop, il y en a une qui a spawn. Bon, il y en a une, des fois il y en a cinq. Ok. Aïe 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 aïe. Les cowboys, il m'a fait mal le cowboy. Allez, let's go. La superbe roquette, je vais vous la présenter maintenant. Attention. Parfait, regardez au milieu, il y a peut-être des étoiles qui vont spawn. Voilà, là il y en a deux. Alors je sais pas, des fois il y en a une, des fois il y en a deux. J'ai toujours pas compris ce système. Peut-être qu'il y a un ordre, je ne sais pas pour le moment. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça spawn. Et qu'il faut rusher. Aïe aïe aïe. Oh l'étoile. Je vais mourir. C'était sûr. Ah là là, 12-20. Bon allez, vous inquiétez pas, je vais vous montrer le retournement de situation. Il y a l'étoile qui est tombée. C'est bon, il l'a ramassé. Comme je vous dis, regardez, on est déjà passé à 34-24, on est repassé devant. Ils peuvent tout simplement repasser devant nous aussi rapidement. Ah. Aïe, aïe, aïe. Allez. Parfait. Ah, regardez, là il y en a eu 4. Non. Ne meurs pas. Allez. C'est bon, let's go. 48 secondes. Ok. On a l'avance. Ah là, il y en a eu 5, vous avez vu? The battle will end in 30 seconds.
Aïe 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 aïe. Non 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 non. Il fait trop mal, il fait trop mal. Ah ils sont passés devant nous. Hein. Ils sont repassés devant nous. Allez. Allez, fais le travail s'il te plaît. 5, 4, 3, ah, regarde, on est repassé devant d'un coup. Hein. 109-58. Hein. C'est chaud. Et là les potes, je viens juste de commencer le jeu. Hein. J'ai très peu de niveau dans le jeu. Hein. Donc c'est vous dire que dès le début, ça joue. Ok. Allez, du coup, je vais passer en bronze 5. Si ça vous plaît, bien sûr, il y aura d'autres vidéos. On va pouvoir augmenter ça, améliorer. Let's go. On améliore. Et voilà. Donc les potes, attendez, est-ce que je peux créer mon clan? Attention. Ah bah les potes. Eh. Fallait juste le demander. Bon, bah là c'est. Là vous donnez pour le clan, ok. On en parlera plus tard. Bah voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, ça m'a fait plaisir. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur Heroes Strike. Donc voilà les potes, sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée. Oui, une bonne fin de soirée. Je sais toujours pas pourquoi je dis ça. Mais bon, allez, bye bye.